Denis Trocero, sans crime à Marseille, est-ce qu'il y a un crime peut-être qui s'est passé, produit à Noailles dans ce livre, puisqu'on était dans ce quartier de Marseille ou pas du tout? Oui, il y en a eu quelques-uns. Il y en a un qui a marqué l'histoire relativement récente et qui a changé notamment la face de Marseille. C'est l'affaire, vous avez montré tout à l'heure le papa de Burga. Michel Bourgas. Oui, L'affaire bien Bourgas en sûr. septembre 1996, le fils de Michel Bourgas a Oui. été poignardé en haut de la Canebière, pas très loin de Noailles. Donc, et c'est une des affaires qui a modifié le regard sur la prévention de la délinquance. Il y a une affaire qu'on retrouve dans ce Une livre ou affaire que pas? vous retrouvez dans ce Alors, livre, j'imagine oui. que vous avez couvert non pas 100 affaires hein, depuis que vous avez débuté dans ce métier hein, qui est Mais le c'est pas vote, son donc vous âge. êtes Presque, journaliste je suis judiciaire. presque aussi vieux que l'Olivier de tout à l'heure. Presque millénaire. Mais vous avez un secret beauté qui nous intéresse. Bien conservé, Denis. Alors dites-moi, comment il a bien fallu les sélectionner, ces 100 crimes? Sur quels critères? C'est les plus palpitants, les plus... Alors, disons qu'en toute sincérité, il y en a une cinquantaine, une soixantaine qui se sont imposées d'elles-mêmes, soit par leur côté particulièrement sordide ou parce qu'elles ont marqué la vie de la cité phocéenne, telles que par exemple l'exécution, enfin l'assassinat du juge Michel en Oui. 1981, la tuerie d'Auriol qui est quand même largement marseillaise, même si les faits se passent à quelques kilomètres de Marseille. Il y a des affaires de meurtres sanglant. Après, c'est un regard totalement subjectif, si j'ose dire, que j'ai posé sur l'histoire criminelle. Puis vous les avez suivis en direct, ces affaires, surtout. Alors, ben, je ne sais pas, Si vous les avez j'ai couvertes. l'âge de l'Olivier, mais je suis pas Non, quand pas même. toutes, Le clin d'œil du bouquin, c'est que je suis remonté jusqu'à la grotte Cosquer, pour ne rien vous cacher, mais c'est vraiment le clin d'œil du bouquin, 27 000 ans avant Jésus-Christ, pour Je ne expliquer voulais que pas vous vexer, hein, parce que vous dites vous-même que... je fais pas mon âge, effectivement. Non, mais la plupart, vous les avez couvertes. Oui, la plupart, Pour la oui, il y Provence. en a une trentaine, une quarantaine, je les ai couvertes pour la Provence. Alors après, au-delà du factuel, j'ai essayé de porter mon regard de journaliste Oui. et d'y mettre mon émotion ou mon regard. Que voilà. Donc il y en a qui aimeront, d'autres qui n'aimeront pas, mais il y en a un certain nombre, surtout celle de la jeune Stéphanie Jusac qui avait été assassinée en 98 par des Polonais avinés. Celle-là, elle est particulièrement sordide puisqu'elle avait été emmurée dans une armoire métallique dans un squat à côté du Vieux-Port, à 2 pas du théâtre de la Criée. Ça, c'est une affaire qui m'a particulièrement marqué. Il y en a d'autres aussi qui sont... Mais j'essaie aussi de recenser des affaires symboliques. Marseille a démontré au cours des 10 derniers siècles une forte propension à innover dans le crime. Vous avez par Oui, c'est ce que exemple... j'allais vous demander justement. Est-ce que vous avez vu une évolution du crime dans la cité phocéenne, oui, depuis que vous exercez? Ben oui, peut-être vers la sauvagerie si vous voulez. Et Marseille a toujours été en pointe. Enfin, Oui, mais bien la French sûr. Connection, années Le crime 60-70. est forcément associé à Marseille depuis des Hélas, années, bien. hélas, mais c'est vrai que c'est une réputation. sous d'autres Oui, formes oui, quand même oui. aujourd'hui. Il y a un plus gros passage à l'acte aujourd'hui qui est particulièrement violent avec les Plus de crimes ou Kalachnikov. plus de violence, ou les deux? Je dirais que les formes de délinquance ont évolué. Ça reste le procureur de la République de Marseille, Jacques Dallest, me disait récemment que Marseille n'est déjà plus Naples, mais déjà Bogota ou Rio. Donc pour vous dire, et son leitmotiv, c'est de dire que c'est une ville très violente. Mais elle est violente quand vous avez une mère de famille, enfin une mère qui enlève un enfant dans un hôpital marseillais, comme récemment, quand vous avez un infanticide, mais elle est aussi violente. Quand vous avez des jeunes mineurs, délinquance de plus en plus importante, qui décident, pour faire comme à Paris, de mettre le feu à un bus. C'est la ferme Amagaleddou C'est peut-être de ça la vraie 2006. évolution du crime, non? À Marseille et même ailleurs. C'est la jeunesse peut-être qui commet des crimes, Exactement. Il y a hein, quasiment un fait davantage. sur deux qui est commis par un mineur à Marseille. Qui banalise la violence aussi, en fait, Ouais. à leur niveau, pour eux, ça n'a pas le même impact que ça pouvait avoir avant, en fait, cette violence Ouais. qui devient forte. Exactement. Et puis il y a ce passage à l'acte. Je veux dire, aujourd'hui, dans les règlements de compte, enfin, c'est rarement des mineurs dans les règlements de compte, hein, mais les mineurs participent de plus en plus au trafic de stupes. On le voit dans les guetteurs qui touchent 100 à 200 euros par jour sont quasi essentiellement des mineurs. Et après, l'affaire Bourgas qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un mineur qui tue Nicolas Bourgas, quoi, et qui va récidiver quelques années plus tard sous une autre forme tout aussi violente, quoi. Donc c'est vrai que parfois c'est un peu à désespérer de la condition humaine. Mais... Et puis des histoires alors un peu étranges, hein, notamment viol gynéco en 92.
La 53e. Non, mais enfin, il y a quand même des gens hein, qui sont qui profitent vraiment de la situation, c'est le cas de le dire là. Oui, alors, plus généralement, au-delà des crimes sanglants, j'ai essayé de faire quand même un peu d'humour. Hein, c'est de, ça, parce à défaut que bon, de sang, voilà, j'essaie d'ajouter quelques gouttes d'humour. Dans le fond, mais voilà. Il peut y avoir des histoires un peu cocasses aussi. Ben ça, dans c'est le crime. L'affaire que vous évoquez, c'était un gynéco qui poussait l'exploration médicale sur ses patientes jusqu'à une certaine intimité. Donc, il a été renvoyé dans la cour d'assises pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Devant sept patientes hein, donc, ouais. Qui ont porté plainte. Ouais. Alors, il a été acquitté pour un certain nombre d'entre elles, condamné pour d'autres. Mais toutes les filles ont raconté à peu près le même scénario et il a été condamné. Enfin, il aurait pu être plus lourdement condamné, mais il a quand même été condamné. Et j'ai aussi recensé un certain nombre d'autres affaires plus cocasses de mythomanes marseillais parce que notre ville en produit quand même une belle palanquée, comme on dit. Oui. Et j'ai même, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai même recensé les trois crimes contre l'OM, puisque quand j'étais journaliste à l'époque et que je travaillais bien sur les affaires Tapie, j'avais des lecteurs qui me téléphonaient et me disaient « Vous n'avez pas le droit de parler de l'affaire VAOM ?» Vous n'avez pas le droit de parler de l'affaire des comptes de l'OM. Vous avez été menacé à ce point-là, presque. Menacé gentiment, me disait arrêtez d'assassiner l'OM. C'était assez virulent, on va dire. Voilà, ça fait partie du patrimoine marseillais, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Donc il y avait des vérités qui n'étaient pas bonnes à dire. Tout est vrai, donc forcément. Tout est vrai. Ah ouais, c'est pas du tout un polar. Ouais. Ce qui n'est pas vrai, c'est si je me suis trompé. J'ai pu parfois me tromper. J'espère que j'ai pas commis d'erreurs grossières. Mais non, tout est vrai. C'est pas du tout un polar. Ce sont des faits relatés. Des faits divers relatés. Exactement. Quand un fait se produit, en fait, il y a souvent le secret d'instruction. Donc faites votre travail de journaliste. Mais quand l'affaire est passée, qu'elle est classée, est-ce que l'échange continue avec les policiers qui sont intervenus? Et là, du coup, ils délivrent des choses que vous ne saviez pas à l'époque par rapport au travail d'investigation. Ça arrive. Mais vous êtes en relation permanente de toute façon. Oui, exactement. Avec eux. Oui. Ça arrive, si vous voulez, parce que dans la chaleur ou dans la. Une soirée peut-être bien arrosée, qui sait. Non, ce que je veux dire, c'est que dans le vif du sujet, dans le vif du fait divers, il y a parfois des vérités qu'on ne dit pas, ou que les policiers ou les magistrats répugnent à nous conter, et que le temps passant, on apprend. Les choses se tassent, on apprend un certain nombre de choses. Par exemple, j'ai découvert, un policier me racontait récemment que dans une affaire que j'évoque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2000. Fin des années 90, l'attaque de l'avion d'Airbus qui se pose par le GIA, qui se pose qui va être pris d'assaut par le GIGN donc, à Marignane. Donc les gendarmes donc, avaient répété pour intervenir jusqu'au moment des faits, sauf qu'ils n'avaient pas prévu qu'il allait y avoir un petit décalage entre. L'avion était légèrement supérieur. Donc ils s'entraînaient sur la passerelle à intervenir. Comme pour pénétrer dans l'avion, sauf qu'il y avait un petit décalage de 2 à 3 cm et tout ça a failli faire foirer l'opération. Donc ça a pas été fatal puisqu'ils ont réussi et bien réussi, mais ça leur a fait perdre, m'a raconté un policier récemment, quelques secondes. Pour terminer, Denis, l'histoire la plus choquante selon vous, celle qui vous a le plus choqué, le plus marqué peut-être dans votre parcours journalistique. Les deux qui m'ont le plus touché, on peut pas, parce que pour être journaliste, on n'en est pas moins homme, c'est l'affaire que j'ai évoqué tout à l'heure, l'affaire Jussac en Muret. Je me souviens encore de la tête du commissaire Seine, qui était le patron de la brigade criminelle à l'époque, qui venait au mois de juillet de découvrir dans le squat la jeune fille de 22 ans, en Muret et cimentée. Et à l'inverse, l'histoire la plus insolite peut-être. Oh, l'affaire la plus insolite, moi celle que j'aime, c'était crime au sens large, mais je l'explique dans l'avant-propos. C'est l'histoire extraordinaire, quand on vous la raconte, vous l'imaginez pas, de ce gamin de 16 ans, en rupture scolaire complètement, en rupture familiale, parent divorcé, qui va réussir à faire croire à sa mère, qui est magistrat, qui du jour au lendemain, il est devenu pilote sur la compagnie AOM. Donc, ça fait penser à un film, ça. Catch Me If You Can, avec Leonardo DiCaprio. Le film est sorti postérieurement à cette affaire. Cette affaire remonte aux années 90. Alors je ne sais pas si DiCaprio s'est inspiré de ça, mais en tout cas c'est quasiment la même histoire. C'est inspiré d'une histoire vraie en tout cas, le Catch Me If You Can. Attrape-moi si tu peux, c'était le titre du film en français. Exactement. Merci beaucoup Denis Trocero. Merci en tout cas, sans crime à Marseille, donc sans histoire passionnante à découvrir, hein, sans histoire parfois triste, parfois drôle aussi. En tout cas, c'est justement un retour hein, sur l'histoire de la ville aussi par le biais de ces crimes, malheureusement. Mais c'est très très intéressant. Et puis avec votre plume, bien évidemment, de journaliste aux éditions Les Cahiers. Voilà.